Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Choquet, qui est enseignant-chercheur à l'École de commerce de, de Brest. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc pour la première fois ce soir au Sanopolis, cette conférence va être directement traduite en langue des signes pour notre public sourd et malentendant. Voilà, donc je laisse la parole à Anne. Merci. Bien, bonsoir à tous. Après de voir autant de monde et je suis ravie d'être d'être là. Merci à Océanopolis de m'avoir invitée. Merci à, à Florence Florence à Naïk pour l'interprétation ce soir. Donc je vais essayer d'être compréhensible. <laughs> C'est quelque chose de, de nouveau de nouveau pour moi. Donc euh, donc voilà donc je suis enseignante chercheur à, à l'école de commerce à Brest. Et euh, donc euh, mes travaux de, de recherche, donc je les fais euh, dans, dans, sur, sur l'Antarctique. Et donc euh, à ce titre-là, donc je suis enseignante, euh, donc chercheur à l'école de commerce, et euh, donc euh, chercheur associé au centre de droit d'économie de, de la mer, à, donc à, à l'UBO. Et par ailleurs, donc je, je suis membre du CNFRA. Le CNFRA, c'est le Conseil le Comité National Français de Recherche Arctique et Antarctique. Et également, je suis membre de l'Institut Français de la voilà euh, de, de manière de manière très rapide donc aujourd'hui j'aimerais euh, donc euh, parler donc de, de l'Antarctique bien sûr euh, et euh, donc d'une question sur laquelle je, je travaille depuis bon, plusieurs années maintenant donc la question donc de de l'Antarctique euh, une approche juridique l'Antarctique en, en tant que réserve naturelle consacrée à la paix et à la science et euh, justement bah, on, on, on on parle de plus en plus de, de l'Antarctique et euh, souvent dans les journaux, on remet en cause cette possible euh, réserve naturelle. On se demande bah, véritablement pour combien de temps euh, peut-on avoir cette, cette réserve naturelle en, en Antarctique. Alors pour commencer, je voudrais... Euh, partir voilà, d'images assez, assez classiques de, de l'Antarctique. L'Antarctique voilà, avec des, des icebergs, l'Antarctique avec des scientifiques, des manchots bien sûr, mais également les, les explorateurs. Alors ça, ce sont vraiment des images classiques de, de l'Antarctique, mais il ne faut pas négliger non plus le fait que bah, l'Antarctique, il bah, y a également bah, de plus en plus d'activités humaines par exemple, des, des pêcheurs, donc, euh, des gros navires euh, d'exploration scientifique, hein, mais également donc, euh, des activités qui se développent, donc, euh, activités euh, touristiques, <laughs> euh, sportives, euh, avec donc, une diversification des, euh, des activités. Alors l'Antarctique, c'est quoi l'Antarctique Là, effectivement, euh, donc, euh, quelques... Petit chiffre que, que j'ai choisi pour, euh, pour commencer. Alors, je me suis un petit peu amusée, je regarde un petit peu sur Internet. On est à euh, près, près de 13 000 kilomètres de, de l'Antarctique, si on partait de, de Brest. Euh, mais voilà, différents chiffres. En 1840, euh, découverte de la Terre Adélie par euh, donc, un Français, donc à prendre possession de, euh, de, de la Terre Adélie. On en reparlera tout à l'heure. 13,9 millions de kilomètres carrés, donc c'est quand même... Un grand, un grand continent avec un, donc un continent également très riche euh, pour, euh, pour l'eau douce, mais surtout, et donc là le, le jury est très attentif à cela, euh, il y a sept États qui ont émis des prétentions territoriales. Euh, et donc cela fait que les activités que l'on va avoir, notamment les activités scientifiques, avec des développements de stations scientifiques euh, donc sur, sur le continent, les, les États vont essayer de réglementer, de, de gérer le, les activités de leurs ressortissants, mais également des activités d'autres de, ressortissants, donc de personnes qui ne sont pas sous leur juridiction. Alors. Un petit rappel quand même, l'Antarctique, c'est un continent. Alors là, j'ai choisi, alors la est un peu flou l'image, euh, mais donc euh, on voit bien la, les, les pôles, les deux régions, les deux régions polaires, et j'ai choisi celle-ci surtout en raison de la, de la taille de l'Antarctique, par rapport à la France et euh, par rapport à, à l'Arctique. L'Antarctique, d'abord, ce qu'il faut voir, il ne faut pas oublier, c'est effectivement un continent. Alors, un continent donc, avec euh, des revendications territoriales, mais également une population alors, qui est dite par, par mission, euh, alors qu'en Arctique, effectivement, euh, il s'agit d'une population permanente, et donc avec un, un océan, et donc des, des États ri riverains. Mais que l'on soit au nord ou au sud, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a, dans les deux régions polaires, hein, une augmentation sensible des activités mais surtout une diversification des, des activités. et que l'on soit en antarctique ou en arctique on a également des menaces qui sont communes donc des, des menaces euh, liées donc au développement de ces activités humaines avec des, des risques environnementaux euh, donc euh, avec euh, de, la, des possibilités d'immersion en mer de pollution euh, d'accidents euh, et on voit également que ces deux régions-là, donc qui euh, connaissent les mêmes menaces, euh, finalement également euh, présentent des caractéristiques communes et, et notamment un environnement, un environnement pardon, qui est fragile. Euh, et donc quand il y a des, des difficultés, quand il y a des pollutions, quand il y a des accidents, euh, les deux les deux régions euh, donc sont confrontées à des problèmes de gestion. Euh, gestion des risques, gestion des, des activités. Alors là, euh, je vais m'arrêter là sur euh, un essai très, très succinct de, de comparaison entre l'Antarctique et l'Arctique. Et, et euh, donc, je vais euh, aujourd'hui euh, prendre le temps plus sur, euh, sur l'Antarctique et euh, donc sur cette idée, donc l'Antarctique, une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Alors, réservoir naturel consacré à l'appel à la science, c'est une consécration d'un un traité qui a été adopté en 1991. Euh, donc, un, le, le traité de, on dit de, de Madrid, le, le protocole de Madrid, qui est un, un traité euh, qui va compléter un premier traité qui date de 1959, le traité sur, sur l'Antarctique. Et le, en 1991, les États ont choisi de consacrer une notion euh, nouvelle, celle de réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Le, les États vont choisir d'établir un nouveau euh, cadre juridique euh, en raison des risques euh, environnementaux et également donc, euh, de, du développement des activités humaines dans, dans la région. Alors, la question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est de voir justement si euh, cette réserve naturelle consacrée à l'appel à la science euh, risque euh, d'être mise à mal ou pas, de quelle manière. Euh, et euh, pour cela, j'ai choisi en fait de, de partir de, de cinq idées, six, pardon, euh, six, euh, six idées. Euh, je vais dire assez. Simple, classique, euh, puisque l'on parle de plus en plus de, de l'Antarctique euh, et euh, on lit de plus en plus d'articles dans, dans les journaux et finalement, bah, ce n'est pas toujours euh, précis. Donc, je voudrais un petit peu euh, bah, m'arrêter sur, euh, sur des, des éléments, des affirmations que l'on voit euh, régulièrement. Donc, voilà, six, euh, six idées. Alors, la première, toute simple. On m'a dit effectivement que l'Antarctique n'appartient à personne. On peut installer donc une station scientifique n'importe où. Alors effectivement, l'Antarctique, on a vraiment l'impression d'avoir un, un continent vraiment de, de liberté. Et effectivement, on a... Des, des stations scientifiques sur le continent. Donc on a un peu plus de 70 stations scientifiques sur sur le continent. Alors majoritairement sur la péninsule antarctique, donc c'est-à-dire en direction de, de l'Amérique du Sud. Alors dans un coin de l'Antarctique, on va dire un peu plus tempéré si, si j'ose le dire. Euh, donc on a euh, Également, une région, la péninsule antarctique, qui est euh, plus accessible puisque euh, moins éloignée des, de, des lieux d'activité de, traditionnelle. Donc, des activités un peu euh, partout sur le continent, essentiellement sur la péninsule et essentiellement également sur, euh, sur la côte, euh, donc pour des raisons de, de facilité d'activité. De, Alors, il ne faut pas oublier néanmoins euh, l'image que l'on voit souvent, celle d'un camembert euh, donc, euh, de l'Antarctique, l'Antarctique euh, avec des appropriations des, des États. Donc effectivement, on retrouve euh, sept États qui ont émis des prétentions territoriales. Donc, la France avec euh, la Terre Adélie à la suite donc, de, de la découverte de, de, de Mont durville euh, Donc, la France, mais également on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, la, j'ai commencé, j'y euh, L'Argentine, le, le Chili, le Royaume-Uni, la Norvège, euh, je ne sais plus combien à quel, d'États à quel je, je suis. Donc, euh, il y a sept États. Alors comment ça se fait que l'on ait cette euh, organisation un petit peu particulière de l'Antarctique En fait, c'est tout simple. L'Antarctique a été considéré comme beaucoup de, de nouveaux euh, territoires qu'on découvrait. Euh, on a considéré que l'Antarctique était un territoire sans mètres. À ce titre-là. On a pu envisager de faire des revendications territoriales. Alors les revendications territoriales, elles ont été fondées sur euh, une continuité géographique. Donc c'est-à-dire, ben voilà, je suis propriétaire euh, de l'Argentine, je suis propriétaire du Chili, et je considère qu'il y a un prolongement naturel de mon territoire vers l'Antarctique. Et donc cette, ce prolongement naturel fait que non seulement je suis État de juridiction de l'Argentine ou du Chili, mais j'ai également une revendication sur la péninsule antarctique. Donc, là, une première revendication sur euh, l'idée de continuité géographique. Mais on a également d'autres États qui ont émis des prétentions territoriales, tout simplement parce qu'ils ont considéré avoir découvert une partie du continent. Et donc à ce titre-là, premier arrivé, premier servi, je considère que euh, cette partie que je viens de découvrir, hein, cette partie-là m'appartient et je prends possession du, du territoire. Et c'est ainsi que l'on a tout simplement eu ce partage du continent antarctique. Donc avec sept États qui ont revendiqué une partie du continent. Alors, une partie plus, plus ou moins importante. Alors, c'est vrai, vous allez dire, oui, la, la partie française à Terre Adélie est, est, est petite, c'est sûr, mais c'est quand même proportionnellement au territoire français. C'est quand même un, un beau territoire si on compare donc, avec le territoire en, en métropole. Donc, on a cet état. Alors, quand on regarde la, cette carte-là, on observe deux curiosités euh, la péninsule antarctique, en fait, elle est revendiquée par trois États. Donc, elle est revendiquée par trois États, l'Argentine, le Chili et le Royaume-Uni. Donc, en fait, ici, les trois États ne revendiquent pas exactement la même chose. En fait, on voit qu'il y a un chevauchement de, de leurs prétentions. Donc première particularité, ce chevauchement des prétentions territoriales sur la péninsule antarctique. Deuxième particularité, on voit également toute une partie, la, la, la terre de Marie qui n'a pas été revendiquée. Alors là, c'est effectivement une curiosité euh, politique, une curiosité juridique, parce que c'est euh, un petit peu bizarre de ne pas avoir d'État souverain sur cette partie-là. Euh, tout simplement, cette euh, partie du continent avait été réservée tacitement pour les États-Unis. Et en fait, les États-Unis avaient régulièrement euh, précisé que peut-être qu'un jour, on ne sait pas quand, mais peut-être qu'un jour, on revendiquera cette partie-là parce qu'on a découvert cette partie-là, euh, la terre de Mary Bird. Et donc on a sept euh, États qui vont émettre des prétentions territoriales. Toutes ces prétentions territoriales auront lieu avant 1940. Donc approche la politique, les États disent, voilà, je veux cette partie-là, c'est une partie du, euh, de ma souveraineté, je suis propriétaire, si je, si je peux dire, de, de, cette, de ce territoire. Les États ont néanmoins pris conscience que l'Antarctique avait également un intérêt scientifique très important. Et lors de l'année géophysique internationale, donc en 1957-58, les États vont se dire que, effectivement, on a des revendications territoriales, on a des bizarreries euh, au niveau des, des territoires en Antarctique, mais il ne faudrait pas que ces difficultés politique juridique que l'on que l'on a, qu'il ne faudrait pas que ces difficultés nous empêchent de mener des activités scientifiques. Et les États vont accepter la demande des scientifiques de dépasser les querelles euh, politiques, les querelles juridiques concernant le, le territoire et Donner la possibilité aux scientifiques de mener des activités scientifiques et d'établir des stations scientifiques là où ils jugeraient bon d'établir ces, ces stations scientifiques. Et donc pendant l'année géophysique internationale, les États vont coopérer ensemble et on va avoir des États venant de différents États euh, du monde et on va. Avoir effectivement des stations scientifiques qui vont être établies lors de cette année géophysique internationale. Et là, les États vont se dire bah, finalement, c'est quand même pas mal parce qu'au nom de la science, on arrive à coopérer alors qu'on n'est pas d'accord pour tout ce qui se passe en ce qui concerne l'appropriation du territoire. Et donc, les États vont se dire, ben voilà, les scientifiques nous ont montré leur capacité à coopérer, à travailler ensemble, à partager les, les résultats scientifiques. Et les États vont se dire, ce ben, serait peut-être intéressant, grâce au succès de cette année géophysique internationale, donc de réfléchir à un régime juridique qui nous permettrait de continuer cette coopération scientifique. Et c'est ainsi qu'à la suite de l'année géophysique internationale, les États-Unis vont prendre l'initiative euh, d'inviter ben, les États qui participaient à l'année géophysique internationale. Donc, les États-Unis ont invité euh, ces États-là à participer donc, à des négociations internationales portant sur la question de savoir, alors, pour faire simple, à qui appartient l'Antarctique Quel est le statut juridique de l'Antarctique Et ces négociations-là vont conduire à l'adoption du traité sur l'Antarctique, donc qui a été signé euh, donc en, en décembre 1959, et donc euh, ben voilà, cette année euh, nous fêtons l'anniversaire. Donc c'est un, un traité donc qui est euh, du point de vue euh, de droit international qui est très original parce qu'on va réussir euh, à établir un régime juridique unique euh, partant justement de, de ces questions des de prétentions territoriales. Donc, je reprends, on a sept États qui ont émis des prétentions territoriales. On a trois États qui ont des prétentions territoriales qui se chevauchent. On a une partie qui n'a pas été revendiquée. Et on a donc des États qui, face à ces prétentions territoriales ou face à cette situation, vont soit accepter ces prétentions territoriales, soit refuser ces prétentions territoriales parce qu'ils aimeraient également émettre de pr nouvelles prétentions territoriales. Ou alors, on a également, enfin, des États qui vont dire, non, pour, l euh, pour nous, l'Antarctique doit être considérée comme un espace international. Et les négociations vont être très difficiles entre les États parce que euh, bah, les États ne, euh, qui avaient émis des prétentions territoriales n'avaient pas du tout envie euh, de, de renoncer au territoire euh, qu'ils avaient en Antarctique parce que euh, peut-être qu'un jour, on irait euh, exploiter les, les ressources, on aurait des, des activités humaines plus importantes sur, le, sur, cette, euh, sur ce continent. Et euh, du point de vue stratégique, il était important d'être présent dans, dans la région. Les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la question de l'appropriation du territoire. En revanche, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un non-accord. En fait, on va avoir un mécanisme que l'on ne connaît pas ailleurs. Ici, on va établir ce qu'on appelle un gel des prétentions territoriales. Alors tout simplement, on va consacrer la photographie de la situation qui existait en 1959. Donc, il y a sept États qui ont émis des prétentions territoriales. Ces sept États-là peuvent continuer à dire j'ai une partie du continent antarctique qui m'appartient. Donc, la Terre-Adélie, on peut continuer à dire la Terre-Adélie, c'est un territoire français. À côté de cela, il y a des États qui vont pouvoir. Accepter ces prétentions territoriales. Donc, par exemple, l'Australie reconnaît la prétention territoriale de la France. La France reconnaît la prétention territoriale de l'Australie. En revanche, il y a également la possibilité de dire non, je n'accepte pas ces prétentions territoriales parce que moi, j'ai envie d'avoir ce territoire. Donc c'est par exemple le Royaume-Uni qui refuse la prétention de l'Argentine sur la péninsule Antarctique parce qu'il revendique le même territoire. Et enfin, il y a ceux qui vont dire voilà, non, l'Antarctique c'est un espace international. Et en fait le traité sur l'Antarctique va permettre à ces différentes positions d'être maintenues. On ne dépasse pas la question donc, de, de, de cette appropriation du territoire, chacun peut avoir sa propre position. Donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel euh, en droit international c'est le seul territoire pour lequel on a ces différentes approches, totalement différentes, euh, donc, avec appropriation, respect, euh, acceptation ou non de ces, de ces appropriations. Donc ça, c'est vraiment une originalité de, de l'Antarctique. Et effectivement, on peut dire, suivant l'état euh, que l'on est, on peut dire, voilà, l'Antarctique n'appartient à personne. Alors que d'autres pourront dire, ben non, l'Antarctique appartient à la France, l'Antarctique appartient euh, à l'Australie. Alors que d'autres vont dire, non. Ça appartient à tout le monde. On a vraiment une approche différente suivant les, euh, suivant les, les États. Donc, à partir de cette question d'appropriation, on peut justement se poser la, la question de, de la gestion. Alors, on entend souvent euh, que bah, l'Antarctique est, est gérée euh, par, euh, par les Nations Unies, par l'Organisation des Nations Unies. Alors, nous avons un traité sur, sur l'Antarctique qui a été adopté en 1959. Alors effectivement, il y a eu différentes approches pour dire que l'Antarctique devrait être gérée par, par comment dire, les Nations Unies, par l'Organisation des, des Nations Unies. Et effectivement, on a différents éléments qui font que euh, certains États se sont dit bah, on va aller vers vers les Nations unies parce que c'est une organisation qui, bah, qui fonctionne bien avant on avait on avait la SDN mais avec les, les Nations unies on pourrait continuer à, à coopérer et effectivement on a des, certains États qui ont dit bah, voilà ça serait bien d'avoir euh, des, des approches euh, auprès des Nations unies. Le traité sur l'Antarctique fait référence à différentes reprises euh, à la Charte des Nations Unies, euh, à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions des, des Nations Unies. Donc en fait, le traité sur l'Antarctique reconnaît effectivement le cadre de, des Nations Unies et euh, l'intérêt pour les États de coopérer ensemble dans l'intérêt des, des Nations Unies. Néanmoins, c'est un traité qui a été adopté hors Nations Unies. Euh, nous n'étions pas dans le, dans le cadre de négociations organisées par, euh, par les Nations Unies. On a vu des États dire pour plus de simplicité et effectivement puisque on avait un statut juridique très particulier euh, concernant cette euh, appropriation du continent. Certains États ont dit, ce serait quand même bien que la gestion des activités en Antarctique soit menée dans le cadre des Nations Unies. Et c'est ainsi qu'on a vu donc euh, euh, Antigua-et-Barbuda et la Malaisie euh, demander euh, que la question de l'Antarctique soit étudiée au sein des Nations Unies. Et effectivement. Entre 1983 et 2005, à chaque euh, Assemblée générale des Nations unies, on a eu une inscription de la question de l'Antarctique à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Donc on a parlé de, de l'Antarctique au sein des Nations unies sans pour autant euh, négliger le, le fait qu'il y avait quand même des euh, discussions en dehors des Nations unies relatives à l'Antarctique. Petit à petit, le système du traité sur l'Antarctique s'est développé et finalement, les États au sein des Nations Unies se sont dit ça ne sert à rien d'avoir deux, euh, deux lieux de discussion pour l'Antarctique, autant avoir un cadre euh, qui fonctionne bien euh, et euh, ne pas se, se diversifier pour, euh, pour étudier les, les questions liées à la gestion des activités humaines dans, dans la région. Donc, justement, euh, les États se sont dit ben voilà, on va continuer, on va repartir euh, vers un seul et unique euh, lieu de discussion qui est donc le, le système du traité sur l'Antarctique. Donc, la, le traité sur l'Antarctique. Et le lieu donc de, de négociations régulières, au, lieu, euh, au sein d'une organisation internationale qui est le, donc, le système du, du traité sur l'Antarctique, avec des, des négociations régulières. Donc j'ai la chance de participer à ces négociations au sein donc de, de la délégation de la France. Donc euh, depuis quelques années, depuis 2001. Donc je suis dans, dans la délégation de la France et donc participe euh, aux, aux négociations. Euh, là, donc là, c'était quelque temps déjà. C'était à Madrid euh, les, les négociations donc euh, sur l'Antarctique. Alors comment ça comment ça fonctionne Alors tout simplement, les États qui ont adopté le traité sur l'Antarctique en 1959 ont euh, accepté bien sûr que d'autres se joignent au groupe et euh, Participe euh, aux discussions relatives aux, aux, aux activités humaines dans, dans la région. Et donc actuellement, nous avons 53 États qui ont accepté le traité sur l'Antarctique. Alors tous les États n'ont pas le même poids. On a tout simplement euh, des États qui ont un droit de vote et des États qui n'ont pas un droit de vote. Les États qui ont un droit de vote, on les appelle les parties consultatives. Donc, actuellement, il y en a 29. Donc, on retrouve les sept États qui ont émis des prétentions territoriales. Donc, la France euh, fait partie de, de ces États-là. Donc, un droit de vote, euh, puisqu'elle a euh, eu des prétentions territoriales. Mais on a également euh, donc des États qui ont participé aux négociations du traité en 1959. Donc, euh, ce sont les cinq euh, États non possessionnés. Et on a également donc, euh, d'autres États qui ont adhéré au traité, mais qui ont été admis, cooptés par les autres États parties consultatives. Euh, donc, ils sont devenus parties consultatives et donc ont obtenu un, un droit de vote. Et ce droit de vote leur a été accordé parce qu'ils ont su démontrer qu'il menait des activités substantielles de recherche en, en Antarctique. Et donc, ce sont les activités euh, scientifiques. Euh, qui vont permettre aux États d'avoir un rôle particulier lors des négociations et de prendre part, euh, part au vote. Et donc voilà, on a 29 parties consultatives et donc euh, 24 non, parties non consultatives. Euh, ce sont des, des États euh, néanmoins qui arrivent à coopérer ensemble. C'est vraiment par rapport à d'autres organisations internationales, ce sont des organisations, c'est un lieu de négociation réel euh, finalement. C'est juste au moment du du vote qu'on qu réalise véritablement, quel est, quel est le statut, mais tout au long des négociations, chaque euh, État euh, pourra prendre part à, à la négociation. Et donc, comment ça va fonctionner ben, Tout simplement, les États vont proposer des, des textes, euh, donc des documents d'information ou de, de travail, mais... Ensuite, ces propositions-là seront étudiées au sein du comité de l'environnement polaire. Donc, dans ce comité de l'environnement polaire, nous avons des scientifiques qui vont donner leur opinion sur l'intérêt scientifique d'une telle, telle ou telle décision et ensuite, les États vont pouvoir prendre position, prendre des décisions. Et ces décisions, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, mais il y a effectivement, bien sûr, de nouveaux traités, mais également ben, des décisions qui n'ont pas la forme d'un traité, mais qui prennent la, euh, la forme d'une mesure, d'une décision, d'une résolution, avec une valeur juridique euh, différente, suivant le, le texte que l'on a adopté. L'idée, c'est que petit à petit, on euh, réglemente euh, les activités pour éviter les conflits, les difficultés, les dommages, les, les, les accidents dans, dans la région. Et c'est ainsi que l'on a créé petit à petit un, ce qu'on appelle un, le système du traité sur l'Antarctique. Sur le fondement du traité, du, je recommence, sur le fondement du traité sur l'Antarctique, on a euh, conforté euh, donc euh, bah, les, le mécanisme juridique et on a adopté des, des conventions. Euh, particulière. donc sur la faune et la flore marine de l'Antarctique, sur la protection de, de l'environnement. Euh, donc on a petit à petit adopté des, des nouvelles réglementations avec euh, pour particularité c'est que le champ territorial au minimum c'est le 60e degré de latitude sud avec la possibilité pour certaines euh, réglementations d'étendre vers la convergence antarctique ou d'étendre un petit peu vers les, les écosystèmes dépendants et associés, sans que l'on ait véritablement défini ce qu'on entend par euh, écosystème dépendant et associé. Donc, le système de traité sur l'Antarctique a été euh, établi sur le fondement du traité sur l'Antarctique. Et effectivement, on voit souvent... Dans, dans les journaux, l'idée le, que ben, finalement, le ben, traité sur l'Antarctique est, est temporaire, qu'il euh, a été adopté en 1959, mais que finalement, on pourrait euh, assez facilement euh, donc, le remettre en cause et, euh, et donc, de fait, déstabiliser le système de traité sur l'Antarctique que l'on a eu, que l'on a établi. Et effectivement, donc c'est pour ça que j'ai mis en, en, peu, en pointillé. On a une convention euh, qui a été adoptée en 1988. Donc cette convention, c'est la convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales. Tout simplement, il y avait des entreprises qui étaient prêtes à aller exploiter le, le pétrole en Antarctique, les ressources minérales en Antarctique. Parce que tout simplement, euh, on savait qu'il y avait des ressources et qui serait donc intéressant d'aller exploiter ces ressources-là. Donc en 1988, on a adopté une nouvelle convention qui organisait les obligations, les droits des, des États, et donc qui organisait la possibilité pour les entreprises privées d'aller exploiter les ressources minérales en Antarctique. Néanmoins, alors même que la convention a été adoptée en 1988, en 1989, là, on va être confronté à des, des pollutions importantes. Euh, donc, en Antarctique et en Arctique, vous connaissez euh, plus le, la catastrophe de lexxon Valdez euh, en Arctique. Euh, mais en 1989, on va avoir quatre marées noires hein, importantes, trois en Antarctique, une en, 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 en Arctique. Et là, les États vont se dire, bah, finalement, la, la convention que l'on avait adoptée, finalement, ce n'est peut-être pas une bonne solution parce que peut-être qu'on arrivera à limiter les impacts liés véritablement à l'exploitation des ressources minérales. Donc, on sera certainement capable de, de forer et donc d'exploiter de, euh, le pétrole. Mais il ne faut pas oublier que l'Antarctique, on est bien loin et que on ne va pas ensuite utiliser le pétrole en Antarctique. Il faudra bien l'amener vers d'autres régions. Donc ici, les États vont se rendre compte que le risque, c'est véritablement les marées noires et que le transport du, euh, du pétrole de l'Antarctique vers d'autres régions du monde bah, est difficile. Il y a un risque, il y a un risque important. C'est la raison pour laquelle, en fait, les États, Vont très rapidement se dire ben voilà, il faut qu'on trouve une solution parce qu'en 1988, on a promis aux entreprises de, euh, la possibilité d'aller exploiter les ressources minérales. Et là, les États, en 1989, vont dire non, nous, on ne veut pas ratifier. Donc, le traité qu'on a adopté en 1988, il n'entrera pas en vigueur. Donc, c'est notamment la position de la France et de l'Australie qui vont bloquer l'entrée en vigueur de la Convention de Wellington. Néanmoins, les États vont réagir très rapidement et on va aller justement vers un nouveau régime complémentaire au traité de 1959. Et donc, on va établir la, la réserve naturelle consacrée à l'appel à la séance. Alors, cette réserve naturelle consacrée à l'appel à la séance, c'est le seul endroit dans le monde où on a vraiment cette, cette consécration et qui va être véritablement une réponse franche à la convention que l'on avait adoptée en 1988. En 1988, on dit que ce sera possible d'aller exploiter les ressources minérales en Antarctique. En 1991, on change totalement de position, on dit non. Dorénavant, on part du principe que les activités relatives aux ressources minérales sont interdites en Antarctique, sauf à des fins scientifiques. On sait qu'il y a des ressources euh, minérales en Antarctique. On le sait. On a le Gondwana le euh, qui, euh, bah, qui fait que euh, le détachement des différentes, euh, différents continents laisse à penser qu'il y a des ressources, euh, ressources minérales. On sait aussi qu'il y a un plateau continental et que euh, le, le territoire, le continent se prolonge sous la mer. Et on sait aussi, dernière chose, quelque chose qui est très, un, très important, on, on entend beaucoup plus parler de cette difficulté-là pour l'Arctique, mais on l'a également pour l'Antarctique. On sait également qu'il y a un régime juridique autour de, euh, de la Convention sur le droit de la mer, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui permet aux États donc, de s'approprier des espaces euh, maritimes avec donc, le plateau continental, mais surtout la possibilité d'étendre le plateau continental. Donc à condition de démontrer que l'on a euh, un prolongement naturel de son territoire terrestre. Et en fait, bah, tout simplement, comme la France l'a fait au large de, de la France, au large de, de la Nouvelle-Calédonie, les États qui sont les États possessionnés vont dire, ben nous, on aimerait bien également avoir un plateau continental étendu euh, au large de, de l'Antarctique. Pour cela, il faut aller donc, devant euh, une commission des limites du plateau continental donc de, au, sein des, au sein des Nations Unies. Et les États vont dire tout simplement, voilà, j'ai le droit. De d'avoir ce plateau continental, d'étendre au maximum mon plateau continental, et donc d'avoir euh, les ressources qui seront associées. Qu Ainsi, si un jour on revenait sur l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales, ben on aurait la possibilité donc de gérer ces, ces activités menées sur notre territoire. La France va donc effectivement euh, soumettre son dossier à la, à la commission donc, au sein des Nations Unies, mais elle précisera, comme d'autres également, que pour le moment, elle n'a pas pris le temps donc, de délimiter véritablement le, le plateau continental, alors que par exemple, l'Argentine l'a fait, et effectivement, euh, euh, l'Argentine étend au maximum son plateau continental. Alors justement, quand on regarde les ressources, la question des ressources minérales, là je me suis amusée un petit peu à aller regarder la presse et on voit souvent apparaître la question euh, donc de, des ressources minérales et notamment l'année la, euh, 2048. Très régulièrement on voit que il y a une date butoir, une date qui fait peur et qui dit voilà à partir de 2048 on va pouvoir changer le traité sur l'Antarctique et on va pouvoir exploiter les ressources minérales en Antarctique. Alors là euh, il faut être beaucoup plus nuancé que euh, que, le, que sont certains articles de presse. Si je reviens sur le protocole de Madrid on nous dit les activités relatives aux ressources minérales sont interdites, sauf à des fins scientifiques. Le traité sur l'Antarctique, le protocole de Madrid sur la, euh, sur la protection de l'environnement en Antarctique, donc ces deux traités-là prévoient également la possibilité, donc, de modifier les, euh, le texte, de, de prévoir des, euh, des amendements. Et en fait, ici, il faut voir que, effectivement, Contrairement à ce qui avait été envisagé pendant longtemps pendant les négociations du, du protocole de Madrid, on n'a pas euh, maintenu le, le principe d'une interdiction indéfinie euh, donc de, de ces activités relatives aux ressources minérales, de l'interdiction pardon de ces activités relatives aux ressources minérales. En fait, au dernier moment, les États, surtout euh, sous l'influence des, des États-Unis, les États vont se dire quand même. Ça serait peut-être bien d'envisager de, une porte qui nous permettrait, un jour peut-être, d'ouvrir de, euh, des négociations pour permettre euh, ces exploitations des ressources minérales. Et c'est ainsi que le protocole de Madrid prévoit une porte de, de sortie, mais c'est une porte de sortie qui est, je veux dire, très étroite. En fait, on nous dit tout simplement, si on prend des négociations à n'importe quel moment, il faudra que tous les États qui ont un droit de vote soient d'accord et que l'on accepte tous ensemble une levée de l'interdiction des activités relatives aux sources minérales. Et pour cela, donc, il faut non seulement un accord pour adopter la, règle, la, la nouvelle règle, mais également pour son entrée en vigueur, il faudra une ratification par l'ensemble des États. C'est quelque chose que l'on avait déjà avec le traité sur l'Antarctique qui nous dit, voilà, si on veut modifier le traité, il faudra que tout le monde soit d'accord. Donc actuellement, il y a 29 États qui ont un droit de vote, donc il suffirait qu'un État dise non pour que qu'on ne puisse pas modifier ce traité. Le protocole de Madrid prévoit, et c'est là qu'on arrive à cette année de 2048, il prévoit que 50 ans après l'entrée en vigueur du protocole, on ait une nouvelle approche. En fait, le protocole qui avait été adopté en 1991 est entré en vigueur en 1998. Donc 50 ans après l'entrée en vigueur, il est possible d'ouvrir des négociations et d'envisager la levée de l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales. Mais là, on n'aura plus un consensus nécessaire, on passera à la majorité. Et là, effectivement, on a l'impression, quand on lit les, euh, la presse, que cela va être très facile, que ben voilà, les, les entreprises pourront aller exploiter après 2048 euh, les ressources minérales. Alors là, il faut faire très attention parce que j'ai essayé de mettre là de, sur, sur le schéma les différentes conditions. Effectivement, actuellement, il nous faudrait 29 États. 50 ans après l'entrée en vigueur du protocole, il faudrait donc, des négociations qui conduiraient à une adoption à la majorité. Donc, majorité des États... Parties. Donc actuellement on a 53 États, donc 27 États devraient être d'accord. Et il faudrait également que les trois quarts des parties consultatives, donc des États qui ont un droit de vote en 1991, acceptent. Et l'amendement ne pourrait entrer en vigueur que si donc il a été ratifié par les trois quarts des parties consultatives, donc actuellement 22 sur 29, et la totalité des parties consultatives en 91, donc c'est-à-dire 26. Donc actuellement, on a 29 États, donc parce qu'on est dans la période avant 50 ans. Après 2048, il nous faudrait quand même l'accord de 26 États. Donc c'est quand même pas si facile que cela, mais bien sûr en 2048. Peut-être qu'on aura besoin véritablement d'aller vers, vers l'Antarctique euh, et donc euh, envisager cette, cette exploitation. Euh, on ne sait pas. Euh, néanmoins, il faudra un régime juridique relatif à la protection de l'environnement, c'est-à-dire un, un régime qui pourrait garantir euh, ben, une limitation des, euh, des risques environnementaux des, des pollutions. Quoi qu'il en soit, actuellement, si on envisageait une telle activité, ben on, on aurait une, une sanction euh, voilà, de 200 de d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende du côté, du côté français. Donc, en fait, le traité sur l'Antarctique, finalement, ben, il n'est euh, pas temporaire. Il y a vraiment une vocation pour durer. Et donc, ça m'amène à, à, à voir justement la, la, la prochaine euh, idée. L'Antarctique est réservée aux scientifiques. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose... De, de classique. On m'a dit voilà, qu'en Antarctique, c'est réservé aux au seuls scientifiques. C'est vraiment l'image véhiculée l'Antarctique, voilà, euh, ces scientifiques qui, qui ont la chance de, de, me, bah, de prendre euh, quelque temps pour mener leur, leurs activités, leurs travaux de recherche sur le continent austral. Il faut bien voir ici que le traité sur l'Antarctique, en aucun cas, ne réserve euh, l'Antarctique aux, aux seules activités scientifiques. En fait, l'Antarctique est réservé aux seules activités pacifiques. Donc, ce n'est pas les, les activités scientifiques, mais c'est véritablement les activités pacifiques. Donc, ça veut dire qu'ici, on a effectivement une réserve euh, consacrée à la paix et à la science. Hein, mais il va falloir voir que finalement, les scientifiques vont également devoir respecter des règles. Ils ne vont pas pouvoir faire n'importe quoi et on aura besoin de, de respecter donc, euh, bah, des mécanismes d'autorisation dans des zones spécialement protégées. Par exemple, euh, il y aura besoin d'évaluation euh, d'impact sur l'environnement. Il y a tout un cadre juridique qui, euh, donc, euh, autour de ces, ces activités scientifiques. Il n'empêche euh, que le protocole de Madrid va quand même accorder une place particulière aux activités scientifiques, puisque le protocole prévoit qu'il s'agit d'une activité prioritaire. C'est-à-dire que sur. Euh, un même lieu, un même espace. Si, par exemple, euh, on avait différentes activités qui étaient euh, proposées, on accorderait euh, une autorisation aux activités scientifiques en priorité. Ça veut donc dire que l'Antarctique n'est pas donc, euh, réservée aux, aux, aux scientifiques. Hein. Aux activités euh, pacifiques. Donc, ça veut dire néanmoins que on, nous n'avons pas le droit d'avoir d'activité militaire. Nous n'avons pas le droit euh, d'activité, c'est-à-dire euh, d'activité militaire, donc euh, le déploiement d'armes, par exemple. Où, euh, on n'a pas le droit non plus de d'explosion nucléaire, de, de déchets nucléaires. En revanche, ben, on a des, des touristes qui, petit à petit, euh, s'intéressent à, à l'Antarctique. Alors, c'est vrai que le traité sur l'Antarctique en 59 ne s'intéressait pas à ces, à ces touristes, mais petit à petit, on a vu un développement des activités touristiques. À l'origine des, des activités de, de croisière, on est ensuite allé vers, vers les exploits sportifs et finalement, ben voilà, on a de plus en plus de, de propositions. Donc, des entreprises françaises, euh, notamment des entreprises euh, étrangères, euh, proposent de passer euh, souvent une vingtaine de, de jours en, en Antarctique, alors souvent sur la péninsule antarctique, mais en tout cas de, de, de passer un, un peu de temps donc, euh, dans, dans la région. Et on a effectivement, petit à petit, des touristes qui, qui arrivent. Alors, Là, euh, une, une précision, Donc, on augmente avec une diminution importante de 2010-2012 euh, liée à de nouvelles réglementations, et no, notamment l'interdiction d'avoir de feux lourds sur, sur les navires. Mais après, petit à petit, on, on augmente. Alors vous allez me dire, 55 000 euh, 56 000 personnes, ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait pas grand-monde. Euh, c'est vrai que le continent, euh, presque 14 millions de kilomètres carrés, tout est relatif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des touristes vont dans les mêmes régions, dans, dans, dans la même région, dans la péninsule antarctique, là où on retrouve la plupart des activités scientifiques. D'accord Donc on a effectivement euh, de plus en plus de touristes, mais on a également une, une diversification des activités touristiques. Donc, on n'est plus euh, à l'époque où on avait seulement euh, des, des, croisières, euh, des croisières scientifiques, hein, et on a effectivement des, euh, des dire des personnes qui euh, ont envie d'aller faire du kayak en, en Antarctique, qui euh, ont envie d'aller escalader les, les montagnes en Antarctique, et euh, donc on a euh, cette diversification des, des activités. Et c'est la raison pour laquelle je pose justement une autre question. et finalement, de plus en plus de personnes ont envie d'aller vers l'antarctique, de, de découvrir l'antarctique. et finalement, est-ce que on est face à cet espace de liberté que, que l'on nous montre si régulièrement? alors, là, ce qu'on remarque, c'est que euh, de plus en plus de personnes sont prêtes à présenter des, des projets, quelquefois plus ou moins fous, pour, euh, pour aller en Antarctique et pour avoir justement le, le droit d'avoir la réactivité. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces activités touristiques. Elles ne sont pas sans conséquences. Alors, vous allez me dire, c'est des sportifs. Alors non, euh, au niveau du droit, on a les scientifiques, on a les activités euh, portées donc, euh, par des personnes pour la logistique et les sportifs sont considérés comme, euh, comme des touristes. On ne fait pas de, de distinction. Euh, donc, ce sont de, voilà, des personnes qui sont, sont prêtes à, à partir. Alors, il faut voir qu'automatiquement, les risques sont réels risques pour la pour l'environnement risques pour la sécurité humaine risques également pour les monuments historiques que l'on pourrait avoir et donc la question que l'on peut se poser c'est justement quel est le droit applicable comment comment va-t-on gérer cette diversification des activités comment va-t-on euh, autoriser est-ce qu'on va les autoriser est-ce qu'on va les interdire comment comment va-t-on faire alors j'ai pris un exemple euh, si ça vous intéresse, alors pour 2019 c'est trop tard, mais pour 2020, euh, il est toujours possible de s'inscrire et euh, participer à un marathon en Antarctique. Alors ce marathon-là, il y en a plusieurs, donc j'ai choisi le marathon qui euh, donc, a lieu, là, je vous ai mis la, euh, la petite croix là, donc sur l'Union Glacier, donc un lieu. Donc, euh, qui qui présente un intérêt pour euh, faire ce, ce genre d'activité, donc un marathon. Mais alors, comment je vais faire moi Est -ce, Comment je, je vais gérer cette activité Est-ce que je vais l'autoriser Est-ce que je vais l'interdire Est-ce que je vais imposer un système d'autorisation Est-ce que je vais demander des assurances Et là, on va voir que. Le jet des prétentions territoriales que nous avons vu tout à l'heure, ben justement, euh, va poser des problèmes ici pour, euh, pour cet exemple-là. Donc, par exemple, j'ai différentes possibilités, différentes réglementations que l'on pourrait envisager, suivant le lieu sur lequel a lieu l'activité, suivant la nationalité de, du sportif, suivant. La nationalité de l'organisateur, l'avion, l'immatriculation de l'avion qui nous aura transporté là-bas, ou euh, le, le pavillon du navire euh, sur lequel on a été pour, euh, pour aller sur, euh, sur, le, le, sur le, le lieu de, du marathon. Donc, on a différentes possibilités, différentes réglementations envisageables. Et donc, ici, effectivement, quand je reviens sur cette carte de, de l'Antarctique, mais il va falloir bien regarder où je suis. Et dans ce cas-là, je vais devoir prendre en considération le fait que la réglementation pourra s'imposer à une personne, s'imposer à une activité, en prenant en considération différents éléments, comme le territoire, la, la nationalité. Et donc, on va avoir différentes réglementations. On peut avoir des réglementations donc sur les touristes, sur les, la recherche naturelle, euh, la recherche scientifique, la, la pêche par exemple, et on a de, des approches communes euh, donc pour les touristes euh, communes donc euh, aux autres activités euh, humaines et donc on va par exemple nous demander de faire une évaluation d'impact sur l'environnement. Évaluation d'impact sur l'environnement. Alors ça c il faut bien se rendre compte qu'ici, c'est un régime extraordinaire parce que toute activité quelle que soit le niveau, le risque, euh, donc euh, sur l'environnement, toute activité fait l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Alors qu'en droit français euh, classique, hein, c'est euh, principalement pour les, les activités dans dans virgule. Là, c'est pour toute activité, quelle que soit son l'activité. Donc évaluation d'impact sur l'environnement. On a également des règles concernant des zones que l'on veut encore plus protéger. Donc, certaines zones, on ne peut pas y aller ou c'est vraiment réservé aux scientifiques on a également des sites que l'on va gérer euh, de manière particulière hein, parce qu'on a considéré et on a observé plutôt qu'il y avait de plus en plus de, de touristes et qu'on ne pouvait pas accepter tous les navires donc on a euh, certains lieux avec une euh, réglementation, réglementation particulière euh, liée donc à la, à la présence de, de ces touristes. On a également d'autres principes euh, comme le, le principe d'assistance, donc c'est-à-dire que s'il y, y a un problème, on va porter secours, donc un, un principe fondamental. Et après, ben, les États vont euh, organiser leur, euh, la gestion de leur activité. Donc là, pardon, euh, pour la France, donc, si vous voulez faire des activités touristique ben vous avez un dossier vous devez montrer ce que vous voulez faire et euh, les risques euh, associés à cette euh, à cette activité. Donc ça veut dire que ici il faut prendre en considération les états. Et il faut voir également que le risque important en matière touristique c'est que les deux opérateurs vont chercher ah. Alors, pas tous, bien sûr, mais certains vont chercher à regarder quel serait le régime juridique le plus intéressant pour eux. Donc, ici, il est indispensable que l'on ait non pas seulement des réglementations nationales, mais une approche internationale qui nous permettra de gérer de manière, euh, alors peut-être pas uniforme, mais plus harmonisée entre les États. Parce qu'il est indispensable que ce soit fait au niveau des États et non pas au niveau des tours opérateurs. Alors, c'est vrai qu'on met souvent en avant le travail de l'Association des tours opérateurs de l'Antarctique. Alors, c'est vrai, c'est une organisation intéressante parce que les tours opérateurs se sont rendus compte que finalement, s'ils ne prenaient pas des mesures pour garantir la sécurité de leurs clients, pour garantir également la protection de l'environnement, parce que bon, si, si après on a des, des régions euh, polluées, on aura moins de clients, ça c'est sûr. Donc on, les tours opérateurs se sont regroupés, on fait une association des tours opérateurs dans l'Antarctique. Alors cette association-là a fait un travail considérable, elle a adopté donc, des directives pour les tours opérateurs, donc elle impose des directives pour les tours opérateurs, elle impose également pour, euh, des directives pour les clients. C'est intéressant, mais en aucun cas alors, serai, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais en aucun cas je considère que cela est suffisant. En effet, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ici nous avons une association de tours opérateurs. Ce sont des tours opérateurs, donc ils veulent développer leur activité commerciale. C'est-à-dire que les règles qu'ils ont euh, décidées sont intéressantes, mais elles ne s'imposent qu'à leurs membres. Donc, on va voir en fait que le tourisme va se développer également dans d'autres sphères que, que les icônes. Et finalement, cette association ne couvre pas toutes les activités touristiques. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable à mes yeux d'adopter de, des règles euh, au, niveau de, au niveau des États pour compléter les traités que, que j'ai évoqués tout à l'heure, mais également donc de prendre de, des nouvelles mesures. Et c'est ainsi que, alors rapidement parce que j'ai plus le temps, mais euh, on a des mesures qui vont interdire le, la présence. Donc de très gros navires, mais surtout euh, la possibilité pour les gros navires, dans les plus de 500 passagers, euh, ils ne peuvent plus euh, débarquer en, sur le continent. Donc c'est peut-être un peu moins attractif pour pour un client. De la même manière, alors ça, ça ça semble assez comment dire simple, mais finalement les les négociations étaient difficiles. Et on, on ne l'a imposé qu'en 2004. C'est euh, l'obligation d'avoir une assurance, l'obligation également d'avoir un plan d'urgence. Donc ce sont des réglementations que l'on a adoptées récemment. Euh, donc des plans d'urgence, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et petit à petit, les États vont renforcer les réglementations relatives aux, aux ressources, euh, pardon, aux, aux activités touristiques, pardon, euh, et il y a un réel engagement des États pour conforter, euh, réglementer les, les activités. Donc actuellement, par exemple, euh, les négociations euh, porte beaucoup sur euh, sur l'utilisation des drones par par les touristes donc c'est pas en, là les négociations ne sont pas terminées et donc les prochaines négociations ont lieu en, en juillet prochain où on retrouvera donc la, la question du, du tourisme euh, évoquée de manière euh, très très importante et ici euh, les États vont en fait à partir de ces réglementations euh, internationales, faire en sorte que, au niveau de leur État, les, la réglementation soit adoptée. Et que s'il y a un problème, hein, ça sera euh, géré par l'État. Donc en France, on a les, les terres australes et antarctiques françaises qui gèrent le, la Terre Adélie et donc les îles subantarctiques. Et donc on a euh, choisi de mettre en œuvre tout simplement les mesures internationales au niveau national pour que ainsi on ait euh, une réglementation qui s'impose aux, aux individus. Donc ça veut dire que le, le droit français va s'imposer en Terre Adélie à toute personne quelle que soit na sa nationalité et également pour les Français où que l'on soit en Antarctique, le droit français s'appliquera. Néanmoins, la France comme l'ont fait les autres États, la France va néanmoins accepter que d'autres États puissent donner également une autorisation. Donc c'est-à-dire qu'ici, en raison du fait des prétentions territoriales, on a une difficulté de mise en œuvre des règles par le fait que les États acceptent euh, leur, euh, les, les réglementations des, des autres États et donc si une autorisation est autorisée par un autre État, alors même que l'activité a lieu sur le territoire que l'on revendique, on acceptera cette autorisation. Donc ça, c'est quelque chose de difficile, et donc c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir des, des réglementations internationales qui permettent d'harmoniser les, les choses. Et effectivement, les États vont pouvoir euh, inspecter. Les, les, ben, les activités, voir si on respecte bien les, les règles. Et également, les États vont pouvoir sanctionner les, les personnes qui ne respecteraient pas les, les réglementations. Donc, par exemple, du côté français, en 2016, on a euh, effectivement sanctionné euh, un tour réparateur qui n'avait pas euh, respecté la réglementation, qui n'avait pas eu d'autorisation d'activité dans, dans la région. Et enfin, donc dernière idée, c'est effectivement l'idée que l'on a euh, lorsqu'on prépare bien son, son activité, finalement les risques sont, sont limités. Il n'empêche que c'est loin d'être évident. Petit à petit, on se rapproche du continent et vous connaissez les expressions. On va vers des régions quand même très tempétueuse, euh, il y a des risques euh, très très importants euh, pour pour la navigation et de fait on a des catastrophes, on a des euh, donc là j'en ai, ai mis trois. Alors j'ai gardé l'Aix-en-Val Valdez parce que c'est un point important dans, dans les négociations, mais euh, en 2007 on a l'explorateur et on a également, je pense que vous vous en souvenez, euh, de, de l'histoire du du, du navire euh, russe qui avait été euh, coincé dans les glaces et euh, des navires qui ont euh, essayé de, de porter secours à ce navire russe qui se sont retrouvés également coincés dans, dans les glaces. Et là, on va voir finalement, c'est que les États ont quand même... Compris l'importance de coopérer et notamment de ne pas coopérer uniquement dans, dans cette région antarctique. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir une coopération euh, à, entre le système de traité sur l'Antarctique et une organisation internationale que vous connaissez euh, certainement, parce qu'on a créé beaucoup plus de l'Organisation maritime internationale. Et qui, euh, donc on va avoir une coopération entre les deux organisations pour établir un nouveau euh, mécanisme qui parle donc de, de que, que l'on a appelé le, le code polaire qui euh, va euh, permettre euh, aux États de prendre des mesures euh, concernant la, la navigation dans, dans, les eaux, dans les eaux polaires, avec donc des négociations au sein des deux organisations. Et la volonté, non pas de tout créer, mais en tout cas de modifier des conventions que l'on connaît, on, euh, que, qui ont été établies euh, au sein des, des, Nations, euh, des Nations Unies, au sein de l'Organisation maritime internationale. Et donc on a choisi de compléter des conventions qui existaient euh, précédemment. Et on a pris des mesures, justement. Pour euh, renforcer, par exemple, je n'ai pas dé détaillé cela, mais pour la sécurité des navires, on va exiger que les navires aient des coques renforcées pour, pour, euh, pour lorsqu'ils décident de naviguer dans, dans la région Antarctique, comme, comme dans la région arctique. On va également euh, imposer à l'équipage une, une formation. On va également euh, imposer des mesures de, de sécurité pour pour la protection de l'environnement. Euh, L'intérêt ici, c'est la première fois que l'on a un un système euh, sur les deux les deux régions à la fois Arctique et Antarctique, alors même que euh, ben, on a deux régimes juridiques différents. Néanmoins c'est vraiment quelque chose qui se crée. Les négociations sont longues et on a encore beaucoup de, de choses à, euh, à améliorer. Et notamment, actuellement, on parle beaucoup de, de fioul lourd. Euh, si ça a été interdit pour l'Antarctique, ce n'a pas été le cas pour pour l'Arctique. Donc, il a été décidé que, effectivement, euh, on devrait encore renforcer ce, ce code polaire qui, est, qui a été adopté. Donc, je voudrais terminer. Pour revenir donc, à, à la question que, que j'avais euh, posée au, au départ, on a bien une réserve naturelle consacrée à l'appel à la science qui a été adoptée euh, donc, par le protocole de Madrid en 1991, qui renforce le traité qui avait été adopté en 1959. Sur le fondement de, cette, de, de ces deux traités principaux, on a euh, établi un cadre juridique pour gérer les activités humaines en Antarctique. Donc, on a euh, la possibilité de prendre des mesures pour euh, essayer de limiter les incidences environnementales et pour assurer la sécurité des, des activités humaines. Alors, cette réserve naturelle consacrée à l'appel à la science, euh, régulièrement, elle est euh, euh, remise en, en cause. Certains disent qu'elle euh, est trop restrictive, euh, il n'y a pas suffisamment de, de possibilités d'activité, de, on devrait revoir cela. Alors, Effectivement, euh, je reviendrai sur ce que donc euh, j'ai évoqué pour les ressources minérales, mais ici de manière plus générale. Effectivement, on pourrait modifier les, les règles, on pourrait revenir sur euh, sur les règles, mais je pense euh, que euh, l'intérêt de, des traités, c'est que les États ont quand même choisi d'établir des garanties pour éviter que bah, qu'on remette en cause trop facilement les règles. Et donc Peut-être qu'effectivement, on pourrait aller vers, vers une interdiction des activités touristiques parce qu'actuellement, c'est vraiment la difficulté des, des États. Il y a de plus en plus de touristes euh, et il est difficile de, de les gérer. Donc, certains disent bah, finalement, euh, on devrait peut-être interdire tout simplement et réserver euh, l'Antarctique aux, aux seules activités scientifiques. Alors là, euh, je. Je suis pas trop pour, je vais, je vais dire. Euh, alors, je considère que, en fait, pour moi, c'est vraiment une solution extrême. Alors, euh, depuis que l'on a euh, ouvert euh, aux, aux touristes, on a vu que certains États avaient fait des efforts pour euh, bah, limiter les, les pollutions dans les stations, par exemple. Il y a, il y a une, une volonté de, donc, euh, de faire mieux, d'améliorer les, les activités euh, sur le continent. Euh, de la même manière, on, on est euh, conscient aussi qu'un euh, touriste, quand il revient de, de, son, de son voyage, et devient, euh, est, est considéré comme un, un véritable avocat de la protection de l'environnement. C'est pour ça que je trouve que ça serait vraiment une solution extrême. Je pense qu'on ne devrait pas faire de l'Antarctique une bulle protégée. En revanche, il est indispensable euh, pour moi que l'on continue, que l'on puisse continuer à réglementer et que cette euh, gestion des activités se fasse au niveau des États et non pas au niveau des euh, bah des, des, des opérateurs euh, commerciaux. Donc euh, véritablement, il faut un régime de de gestion. Et si on allait jusqu'à l'interdiction des activités touristiques. Pour moi, ça serait véritablement un échec euh, parce que ça serait euh, accepter l'idée que les États ne sont pas capables de, de gérer les, les activités humaines. Et euh, là, ça serait, euh, à mes yeux, un, un échec euh, important. Donc c'est pour ça que j'espère et je pense quand même que cette réserve naturelle consacrée à la paix à la science... Euh, va, va continuer va, et le, le régime qui est associé va pouvoir se développer. Voilà, je vous remercie.